À l'heure où je vous parle là maintenant, bon, il y a même des parties de la France où il fait un petit peu frisquet. Donc vous vous dites, bon, ça va, la canicule, c'est loin. Mais en fait, non, elle va peut-être revenir. Oui, exactement. On dit par exemple que dimanche, il fera peut-être 30 déjà. Donc on a écouté la météo tout à l'heure. C'est le début. Bah oui, voilà. Donc peut-être que la chaleur va revenir. Vous savez que ces vagues de chaleur ont des antécédents dans l'histoire, forcément. Même si les relevés météorologiques ne sont pas assez vieux pour qu'on remonte vraiment assez loin, ça date de plus ou moins 30 ans, donc c'est voilà, tous les 30 ans, régulièrement, aussi loin qu'on remonte, on a des vagues de chaleur. On a toujours tendance à penser quand même que ça va, déjà avec le réchauffement climatique, mais que c'est de pire en pire. Vous avez des images d'archives qui montrent exactement, que... Exactement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément le réchauffement climatique qui est en cause, puisque voilà, ça remonte à bien longtemps. En tout cas, nous avons trouvé dans les images d'archives de l'INA de quoi dédramatiser un peu la canicule. Vous allez voir qu'à l'époque, on utilisait des moyens assez particuliers pour retrouver un peu de fraîcheur. Il n'y avait pas la clim, hein, donc voilà, vous allez voir, c'est très drôle. C'est voilà, histoire d'apporter un peu de légèreté à cet été. Cet été tardif, le voici donc venu. Mais il se rattrape, le traître. Aux États-Unis, le thermomètre a le vertige des cimes et toutes les images des légendaires canicules se retrouvent sur les pelouses des parcs et le long de toutes les rues. 40 degrés à Londres. En 1947, le bikini apparaît à point nommé, même s'il fait scandale. Ce ne sont pas les difficultés de l'après-guerre qui font la une des journaux, mais une fois encore la canicule. Dans les rues, le thermomètre dépasse les 40 degrés. Ceux qui n'ont pas pu entrer dans les piscines se contentent de la Seine, encore Seine. 40 degrés, un chiffre inégalé jusqu'à aujourd'hui à Paris. Canicule sur l'Europe. Varsovie a eu soif. Le beau temps est capricieux. On attendait la chaleur, ce fut la canicule. Un léger vent d'est venu d'Europe centrale et de la Méditerranée qui nous apporte cette atmosphère tropicale. On aurait peut-être mauvaise grâce à s'en plaindre au vu de ces images. Les piscines refusent du monde. Aussi plonge-t-on d'un peu partout dans la Seine. On enregistre une baisse sur la chaussure. Et une sérieuse hausse sur la bière. 34 degrés à 13h, 31 à 16h et cela à l'ombre. Il faisait vraiment chaud dans notre région et des records d'affluence ont été battus. La chasse à la canette en quelque sorte. Dans certains établissements lyonnais, on a, paraît-il, manqué de matières premières. Chez les coiffeurs, laver la tête devenait un bienfait à condition d'utiliser de l'eau froide. Effectivement, il y avait déjà des canicules à l'époque, mais elles étaient moins fréquentes, hein, parce que le réchauffement climatique, il n'est plus contesté aujourd'hui scientifiquement. C'est pas ce que nous voulions dire exactement. Plus ou moins 30 ans, comme je le disais au départ, de canicules qui se suivent ces dernières années, donc qui prouvent qu'elles ont effectivement augmenté en fréquence. Le bon vieux mais truc du linge mouillé aussi, avec le ventilateur, etc. Bon, ça n'a pas changé un finalement. Indémodable. Hein. Vous avez vu, on a mis aussi quand même les États-Unis, l'Angleterre, ce qui prouve que voilà, c'est le monde qui est représenté dans ce sujet, et pas seulement la France. Merci Emma. Maintenant, on va passer à notre météo tout de suite avec Patricia Charbonnier. Embarque.